On va lancer les potes. Wingo? 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 Tu veux faire un coucou? C'est bon, on m'a dit de meubler, mais bon, tout seul. Viens quoi! Ça va! J'ai pas eu pitié des admins, arrêtez, ils sont hyper cool! Putain! Salut à tous et à toutes, c'est Cyrimix. Ah. Alors Ben, je t'emmerde. Parce que je te connais et que j'ai le droit de te le dire. Je suis pas quelqu'un comme ça, mais toi je t'emmerde. Voilà. Ça va ou quoi ici? Bonsoir? Ouais? Lou, apparemment, elle est pas trop trop d'accord au fait que tu sois Cyrimix. Ah! Ouais, c'est compréhensible. C'est vrai que. C'est vrai qu'il est pas très ressemblant à Cyrimix. Bref. Il, bah, normal qu'il. Non, il joue pas en chemise. Il a cast en chemise. Non, ouais, j'ai cast en chemise. J'ai joué il avec le maillot au cerf. Voilà. Le magnifique maillot au cerf. Bon, le correct maillot au cerf. Bah, magnifique, c'est peut-être un peu exagéré quand même. T'es pas dans le mais j'aime bien. Bon, enfin. Moi j'aime tranquille, tu vois. Que dalle, il a la même coupe de cheveux. Non. Non, ils ont pas la même coupe le de chat, cheveux. Le chat, ils disent qu'on a la même coupe. C'est-à-dire que. Je suis un peu d'accord, moi. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont pas allumé l'écran, quoi. Non. Du coup, c'est qui le monsieur? Alors, ce monsieur, c'est Wingo Beer, l'influenceur de TM. Ouais. Voilà. Créateur d'Event depuis 2004. Au moins, ouais. Joueur de Trackmania depuis Trackmania Origine. Voilà. Original, pardon. Désolé, ma carte. Bah, y'a pas de soucis, c'est pas grave, en fait. Bah, tiens, attends. Pourquoi? Ah, mais non, ma carte, il faut le code en plus, je suis trop con. Bah, tant pis, bah, dommage. Si t'as 50 centimes, la ligne. Ah, non, j'ai que ma carte. Mais tant pis, c'est pas grave. Bah, merci quand même. C'est gentil. Oh, un gobert. Et oui, c'est moi-même. Voilà, c'est le frérot, c'est le pote. Ah bah, rip le café. Ah bah ça, leur gars, vraiment, à revoir. Non, vraiment, ils ont été pas adorables. De café, ça dégage. Ah, c'est ça. moi, on m'a tout payé, mais franchement, pas de café, c'est terrible. Genre, ah oui. Donc là, ici, il y a le winner bracket. Ouais. Et nous, de notre côté, c'est le loser bracket. Comment ça, ils sont Comment ça ils sont là? Ah ouais? Really? Ah ouais? Ah bah oui! Elle a bise hein! Allez! Merci Wingo pour cette. Ouais! Ils sont là, les gars! Moi tu me demandes de commenter, d'animer, j'anime! Du coup on est à combien? Terrible! Je crois que c'est le premier round. C'est le premier round, mon cul! Il y a Jayo qui a 20 points qui est en train de stomp, il y a Toto à 16 et Symbiose là qui vient de marquer 10 points. Holy shit! Et Jayo qui a crash, parce que j'ai vu son crash Jayo. Eh, c'est terrible! C'est terrible! Attendez! Tu sais que c'est terrible parce que genre on a vraiment zéro vue. De quoi? On a zéro vue, c'était pas sûr. Genre... Oui, c'est ça qui est terrible. C'est clairement ça qui est terrible. Genre... Non, ça fait 20 minutes qu'on est en warm-up quoi. Genre... Holy shit! Alors du coup, ça part. Là pour l'instant, enfin, vas-y, c'est plus notre âge, hein. Clairement c'est plus notre âge, on est sur un autre niveau, mesdames et messieurs. Là le tournoi amateur c'est terminé, tournoi professionnel. Surtout que j'ai pu cast Yo-Yo et Toto et vraiment ils sont hyper chauds. Donc, ah oui, donc c'est la première fois que tu vois Symbiose? Première fois que je vois Symbiose, qui a gagné tous ses matchs. Incroyable, il a fait un siding en TA, incroyable. Ah bah ça je suis même pas étonné, c'est lui qui a tous les WR donc clairement. Là on est sur un beau run, là il y a Yo-Yo qui est en train de overtake Symbiose, ça passe inter, ça se passe bien. Ouh, Symbiose ici qui a perdu l'adhérence du coup, mais oh il a fait un... Yo-Yo il a tellement... Mais alors le Yo-Yo, sur ce virage, il va tout donner. Il va... Ah, il peut pas, Symbiose est trop rapide. Ça manque de vitesse, Symbiose est insane, genre vraiment... Oh là là là. Oh Yo-Yo qui crache, Yo-Yo a craché, Coco va peut-être passer devant Yo-Yo. Ah non. Non, Yo-Yo va pas crash, enfin ça va. J'ai un bug spec, genre je l'ai vraiment vu dans le mur, genre j'ai chié. Mais attends, du coup... Ouais. Non parce qu'il faut que je mette les full cards. Qui tu vois en qualifié final, je suppose Symbiose. Ceux qui vont arriver directement dans la grande finale, donc qui ne passeront pas dans la finale de consolidation, pour moi ça va être Yo-Yo et Symbiose. Ouais, je pense aussi. C'est les deux hommes forts de cette LAN, donc ça va être compliqué de faire autrement. Ils ont été archi chauds tout le tournoi, j'imagine. Après, donc je suis pas étonné quoi. Après, Toto peut bien jouer les troubles fêtes. Il a vraiment des éclairs génies où certains rounds il carry de ouf, vraiment. Ouais, genre il est en mode challenger. Ouais, il est vraiment. Genre il y a des rounds, il donne tout, ça passe, et d'autres où. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, on a un coup, très gros début de round. Ouais. Ce virage monté, il est vraiment dur. Ça aussi. Oh Yo-Yo,
Il y a du release ici parce qu'il était trop externe. Attention ici, Symbiose qui va overtake Coco, je pense, sur l'inter. Il a pris très très large pour plus de vitesse. Oh non, il a choke, trop de speed. Aïe aïe aïe, Symbiose terrible. Du coup, Coco, première position. Yo-Yo en deuxième. Yo-Yo qui va tout donner. Yo-Yo, il va tout donner parce qu'il s'est classé 10 points à prendre sur Symbiose qui va pas en prendre beaucoup. Alors attention, fond l'inter ici. Toto, ça passe. Ça passe. Ah, ça va te sauver. Yo-Yo, il a une belle fin ici. Oh là là, ils sont tous dans leur trash. Incroyable, impérial. C'est mort. Coco impérial. Il subit pas la pression, cet homme. Terrible. Non mais là c'était incroyable. Genre, ils étaient tous dans la même trage. Ah ouais. Il y en a pas un. Ils étaient dans leur trage de pneus. C'est incroyable. Il y a des rails. Il y a des rails et ils suivent les rails. C'est ça. C'est... Oh non non, ils ont pas le même cerveau, bro. C'est insupportable. Et on est déjà sur le troisième round, ça va très très vite. Et ça quatrième. Quatrième round ? Ah oui, ben round, effectivement. Quatrième round. Il y en a qui a disparu. Quatrième round et surtout des très gros temps. Ouais, et puis Symbiose qui vient de prendre la première place, c'est ça qui est intéressant aussi. Mm-hmm. Niveau scoring là, Toto qui démarre un peu derrière. Ok, full interne, du coup il va pouvoir reprendre sur peut-être. Ah non, la sortie trop externe. Unlucky, il a perdu l'adhérence contrairement aux autres. Mais je sais pas comment on se fait Symbiose. Genre Symbiose, il arrive à garder l'adhérence tout du long. Mais sans faire de gauche-droite. Ah Yo-Yo, vous l'avez entendu, Yo-Yo ici qui a fait une très très grosse erreur. Et donc du coup, il va avoir un gros 1v entre Coco et Symbiose ici. Symbiose qui va tout donner sur la montée demi-tour pour essayer de récupérer le temps perdu sur Coco. Mais à mon avis, ça paraît compromis. Coco qui a pris très inter. Je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, je comprends pas les traces de Symbiose. Coco qui a perdu beaucoup de vitesse, mais qui a l'air de sécure. Symbiose, il a double drift. Oh, c'est ok. Oh, il s'est fait peur. Coco s'est fait très très peur ici parce qu'en fait il y a un problème genre sur ce bloc. Genre quand on arrive, en gros je vais essayer de vous le montrer, mais genre si vous faites attention, quand on arrive dessus, tous les joueurs mettent deux roues sur la bande verte, donc à gauche de la rame, donc du trait noir, et deux roues sur le bloc. Parce que si on passe avec deux roues, enfin les quatre roues directement sur le bloc et pas sur la bande verte, on prend un bump qui nous fait rater le finish. Ah oui? Ouais, oui, tu tapes pas la speed parce que du coup tu fais un trop bump, tu mets même trop haut. D'accord, ah oui, il y a vraiment un trick. Ah oui, oui, clairement. Okay, et donc du coup c'est très précis parce que tu dois passer sur le. Sur vraiment juste la rame. D'accord, ok, ok. Ah ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois tu vois tout le monde qui grille et tout, mais parce qu'il n'y a pas de choix. Ça, y a pas de choix. Ça explique le finish vraiment très très compliqué. Voilà, c'est ça. C'est que là, c'est fou. Le risky finish a l'air très simple comme ça parce qu'on prend à 100%, mais si tu rates l'entrée au niveau du tremplin, bah t'es out. Et en parlant de choses difficiles, ce start. Oh, est-ce qu'on veut vraiment parler? Et si difficile. Et pourtant, ils vont être aigus. Hein. Vous allez voir sur les 4 rounds, il n'y en a aucun qui va fail, ça va être terrible. Ouais, je pense que si. Hein. Je pense que si, parce que honnêtement, le start. Hein. Non, mais le start, gros, il y a trop de choses parce que tu dois contrôler la gear. Parce que si tu driftes en la gear, t'es out. Ensuite, t'as l'angle à gérer. T'as le drift, donc t'as la technique du double drift qui peut être safe, mais tu perds énormément. T'as la technique du one drift en étant safe, donc en faisant un overdrift au niveau du poteau. Et t'as la troisième qui permet de passer full inter sur un drift. Mais celle-là, genre, si tu la choke, tu passes pas, tu vois. Vraiment, c'est un enfer. Ouais. Même ce temps-là, il est ultra technique en vrai parce qu'il faut. En gros, il faut freiner à l'avance, stab, et faire une espèce de micro-release quand on ratterrit, mais pas en l'air, tu vois. Si tu le fais en l'air, tu vas avoir trop de vitesse et t'es out. Et donc, du coup, tu peux vraiment. C'est un peu ce qui tente des trucs. Ouais, c'est incroyable, c'est ce qu'il vient de faire. Tu veux tout ranger pour tout ressortir là-bas? Ok, bon, t'inquiète, je pré-shot dans ma tête là les changements qui vont arriver. Et on est parti pour pas de ce deuxième map du winner bracket avec du coup un petit récap du scoreboard. Symbiose et Coco qui ont exactement les mêmes nombre de points. Toto qui a touché. Oui, Toto l'a fait. Et j'avais call sur mon stream que Toto avait des fois des moments de faiblesse. Easy. Mais là pour le moment, ils sont partis sur un gros run encore. Enfin, 2.7, c'est insane. C'est un Symbiose qui a quand même un challenger de taille. Hein. Coco qui est vraiment. Oh, ils ont touché tous les deux. C'est tellement profitable pour Yo-Yo. Let's go, Yo-Yo. C'est 10 points gratuits, ça, Yo-Yo. Let's go, Yo-Yo. Bon, Yo-Yo est parti. Après, on connaît Yo-Yo et ça a tendance à choke. Non. Quand c'est gagnant. Non, non. Là, il peut tellement safe, il le sait, il peut tellement safe qu'il n'aura pas trop de problème. Sur cette cup, il l'a pas trop fait. On assiste à un gros 1v1 là, du coup, pour ce qui va être dernier. Oh, Toto. Oh là 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 là. Oh, Toto qui a complètement choke. En plus, il a derrière, il a paniqué. Je sais pas si t'as vu, genre, au moment de passer entre les deux plaques noires, il a fait une espèce de gauche-droite chelou plus release. Parce qu'il était pas serein, il sait qu'il est passé vraiment très très proche de pas finir le run presque. Donc là, clairement. Un run serré, malheureusement, dans des temps négatifs. C'est bien parce que, tu vois, ils touchent trois fois pendant le run. Mais ils font des meilleurs temps que nous. Ouais.
Ils font ma rigueur quand j'ai tout donné. C'est chiant, mais c'est ce qu'on appelle des joueurs de type professionnel. Voilà, c'est ça. C'est pas des joueurs amateurs. C'est-à-dire que bon, toi, tu fais top 2 en amateur et eux, ils font finale pro, quoi. Clairement, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, là, j'avoue, là-dessus, tout à fait. On est sur des monstres. Hein. Ouais, parce que bon, à côté de Rodeur, le top 10 CFR d'amateur, enfin des amateurs, le top 10 CFR amateur, bon, là, clairement pas au niveau du top 5, enfin du top 4, entre guillemets, de cette plane pour le moment, en tout cas. À voir, après peut-être qu'on aura des surprises au niveau de la grande finale, parce qu'il reste la finale de consolidation, mais à voir. J'ai trouvé le niveau vraiment très très bon en pro actuellement sur cette cup, incroyable. Alors attends, il se passe des trucs là, parce que ça jump dans tous les sens, ça repart devant, ça repart derrière. Symbiose ici, full inter, qui prend tous les risques, qui arrive à prendre quelques millièmes. Coco ici qui est plus inter. Oh du shit, yo, tu as complètement overtrage. Toto qui a un peu plus de speed et qui va, je pense, essayer de jouer sur le dernier turn. Il va se passer des choses. Coco, il a tout. Symbiose, Coco. Oh Symbiose. Ah, il s'est fait peur, je pense. Je pense que Symbiose s'est fait peur. Oh, il a clairement. Ça aurait pu. En vrai, je pense qu'il a quand même calculé. Genre, je le vois d'ici, il a l'air quand même vachement chill. Hein. Il parle avec son staff. Hein, vraiment, Symbiose. Non, il prend le café, quoi. Là, genre, il boit la concurrence au petit café. Incroyable. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Clairement, incroyable. Aïe, 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 Coco. Coco et. Lulu qui un petit peu choke deux rounds relativement importants et qui du coup perd un peu. Il y a un choke au star. Ouais, check, perd un peu ses points bêtement, malheureusement. Et là j'y crois. Oh, il est parti. 15.8, c'est un très très bon CP. Genre là, c'est un CP, genre s'il choke pas, normalement c'est point 5. Vraiment, bravo. Il est parti sur un run, ça va être incroyable. Regarde le temps qu'il met, genre à Symbiose, il y a Toto juste derrière qui ont fait un très bon start. C'est incroyable. C'est-à-dire que sur cette map, le record écrit juste au-dessus, c'est 464. Donc, 0.5, c'est vraiment. C'est incroyable. Là, normalement, il devrait essayer quelques trash quand même. Bon, après, on a eu des pertes d'adhérence côté Symbiose et Toto. J'ai dit, oh, Toto, il a pris un bug, mon gars. Toto, zéro chance, quoi. Ah oui, là, clairement, j'ai jamais vu ça. J'aimerais bien avoir le replay, tu vois. J'aimerais vraiment avoir le replay pour checker scandale. Ce qui s'est passé. Quel scandale. Yo-Yo qui a un petit peu assuré et du coup, Symbiose qui a un peu remonté, mais pas d'inquiétude, je pense que Yo-Yo devrait gérer cette fin. D'une main de maître. Et bien voilà. Sûr. Tu vois, il a safe, voilà. 0.7. Ouais, il a safe, 0.7. Ouais, 0.7. Ouais. Genre, c'est un temps que je ferai jamais dans la vie. Notons 0.7, le safe, quoi. Aucun problème, mon Yoyal. Il s'essouffle, mais il est chaud, là. Yo-Yo. Allez, Yoyal. Yoyal, l'homme fort. Et regarde-moi ses scores. Allez, 51, 43, 41. Let's go. Touche-le, il t'a touché un info. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je donne de la confiance. Ouh, Toto qui tente la trace ultra inter, c'est passé. Du coup, il va pouvoir. Ah, Symbiose, il manque de vitesse. Symbiose, la vitesse. Ouais, non, Symbiose, la vitesse. Une fusée. Ouh, ça frôle. Ah, c'est. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé côté Yo-Yo? Il a du release, je pense. Il a release. Oh, Coco. À mon avis, il a gardé la guerre. J'ai pas le son, mais je pense qu'il a gardé la guerre. En gros, sur le grand U-turn. Si tu gagnes trop speed et tu freines pas assez, tu gagnes une vitesse qui du coup te force à release juste derrière. Et ça arrive souvent genre de devoir release parce que bah on sait, tu sais à l'avance, tu peux faire tout ce que tu veux, tu sais à l'avance que si tu gagnes la guerre, tu prends le mur. Vraiment. Et là il y a un gros fight entre Toto et Yo-Yo ici. Oh Yo-Yo, la trash qui remonte sur Symbiose, let's go, Symbiose qui a du release parce qu'il était trop externe. Yo-Yo le missile. Let's go. Yo, sur la trash trop greedy, il a tout donné. Mais et Toto... du coup Toto 1v1 sur Symbiose. Toto l'inter. Non, ça va être compliqué, Symbiose. Oh non, Toto, c'est terrible. Hey, Yo-Yo qui Yo-Yo fait deuxième, let's go. Yo-Yo qui en profite. Oh, c'est terrible pour Toto. Toto a vraiment zéro chance. Le round d'avant, il prend un bug. Et là, sur la fin, il a... Il a fait comme moi tout à l'heure. Sauf que moi, j'ai turtle et j'ai réussi à prendre le finish en turtle. Mais... Il a vraiment zéro chance. Le pauvre Toto, c'est... Enfin, il a 30 points, mais c'est vraiment pas significatif. Quoi. Il est vraiment dans la game. Quoi. Terrible, salut à toi, Kariwal. Bonsoir. Aïe. Si tu veux savoir qui il y a dans le loser bracket, il y a le stream de Wingobert qui est allumé. Il est en train de casser la finale loser bracket aux côtés de Bagara Joe. Donc si vous voulez faire un tour et savoir ce qui se passe un peu côté loser bracket, n'hésitez pas, bien sûr. Ouais. Puisque les deux gagnants du loser bracket affronteront les deux perdants de ce match là. Donc ça reste un round quand même assez. C'est important. Voilà. Oh Toto! Non, c'est un warm-up. On est sur des erreurs qui. Qui peuvent. C'est voilà. Ok quoi. Genre, tranquille. Non, il voulait juste pas spoiler son temps qu'il va faire, tu vois. C'est la secret strat. C'est ça, tu vois. Ça, et puis bon, les warm-up, c'est pour les gens qui savent pas bien rouler. J'avoue, parce que les vrais, ils dèlent le warm-up. Bah ouais. On le sait, bien sûr. On le redit, bien sûr. On perd pas de temps, on est pressé. En tout cas, là, par contre, la Symbiose et Coco, c'est parti sur un gros run. Lulu qui est un petit peu derrière, bon, il a choke. Est-ce que c'est réellement étonnant de voir Symbiose sur un gros run? Voilà. Symbiose le French Monster, bien sûr. Oh là là là, favori de cette LAN.
ça passe très très près sur Symbiose Tail Twin à la GC qui a tous les WR et a juste remporté tous ses matchs pour le moment en pole position, bien évidemment, mesdames et messieurs. Alors, on va arriver sur la fin du warm-up. On va pouvoir commencer le round sur cette troisième carte. Du coup, on rappelle, finale winner bracket, bien sûr, de l'ETC, l'Effray Trackmania Cup. Ah, voilà, Effray, une petite école sympathique à Villejuif. On est très très bien reçu, même s'il fait trop chaud. Voilà, ouais, mais c'est ce qu'il faut retenir. Bon, il vaut mieux avoir trop chaud. C'est trop froid. Raison pour laquelle on n'est pas encore l'enfi. C'est-à-dire que là, je me plains pas, parce que quand on va être après là-bas, bon, il y aura de l'adrénaline. En vrai, si je suis pas malade à la fin de cette LAN, c'est un miracle. Hein. Je vais pas te le cacher, parce qu'ici il fait trop chaud, tu sors dehors, fumer ta clope, il fait trop froid, bon... Ouh, il y a un petit écart là au start. C'est yo-yo, mais il a ça va. Il a je pense qu'à la rigueur, il a peut-être tapé un autre rip. Là, il a tapé un extérieur vraiment pour gagner de la vitesse. Et ça a l'air de payer, hein. Ça a l'air de payer ce qu'il est en train de faire. Reviens avec moi, ça, reviens. Vous aurez l'ordre de ma réaction plus tard. Pour l'instant, on a un gros fight entre Toto et Symbiose qu'on va suivre sur la pauvre de Yo au cas où il arriverait à prendre quelques dixièmes ici sur ces deux hommes. Ça vole au-dessus des blocs là, je reconnais. Je reconnais, ça s'appelle du point exé ça. C'est du cheat ça, monsieur. Aucun problème. En tout cas, pour l'instant, Yo full inter. Moins de vitesse. Toto impérial là pour le moment. Oh non, Toto là. Oh, c'est dommage, l'œil de Sauron quoi. On parle de lui, ça fail, c'est terrible. Ah, c'était un fail un peu bien, parce que là il a complètement genre sauté à droite, genre il a fait pouf. Et NTS même. Ouh, 0.7, 0.9. Holy shit. C'est incroyable. Oh là là. Mais du coup en fait, ma réaction. Toto qui finissait. Ma réaction en début, c'est parce qu'en fait j'ai donné un coup, tu sais, genre pour revenir à ma position. Et en fait, il y a une canette de Monster là posée ici. Et j'ai tapé dedans. Mais à la fin, roll spin, mais elle est pas tombée. Parce que sinon, c'était le clavier, la souris, c'était la fin de la quoi. Genre, c'était incroyable. C'était terrible. Enfin bref, pour le moment, on est reparti sur un nouveau run. Et ici, tous les gens sont en roue. Pas d'erreur. Un peu avec Toto qui est un peu derrière, mais qui devrait overtake ici avec un peu plus de speed, sûrement. Voilà, c'est fait. Il va emmagasiner de la vitesse et passer à droite du poteau. Je me dis, ah non, il s'est fait. Par contre, côté Yo-Yo et Symbiose, on y va. On voit deux strates différentes sur ce passage avec l'interpoteau ou l'extérieur-poteau. Ouais. J'avais jamais vu l'interpoteau. L'interpoteau, t'avais jamais vu? Non, parce que l'extérieur-poteau, c'est. L'extérieur-poteau, pardon. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Ok. Ouh, Toto qui a ici perdu totalement l'adhérence et donc il va se retrouver à la troisième position. Yo-Yo qui a crash, donc pour l'instant, on ne reviendra pas là-dessus. Toto ici. Oh, touche. Aïe. Toto, c'était. Oh, attends. Parce qu'il. Il y a des phases sur la map où il est solide et il craque. Et Yo-Yo. Oh là là, ce run décousu, holy shit. Et Yo-Yo qui passe en risque finish et Toto qui terminera donc à la dernière position. De toute façon, on l'avait call. C'est une cup avec des maps très difficiles et où du coup il y aura énormément d'erreurs. Et voilà, ça se concrétise. Il n'y a pas un round où il n'y a pas un assassinat quoi. Clairement. De toute façon, vous entendez les joueurs, je pense, au niveau des réactions. Voilà, il y a quelques véhémences qui sortent parce qu'il faut extérioriser cette rage, cette frustration de cracher sur une map pareille. C'est quand même beaucoup de pression actuellement. Oui, c'est vrai, il y a de l'enjeu. Ça se recache pas, ça se rappelle à la clé. Et puis la fame de finir premier de l'ETC. Et puis sortir du winner, tu pars avec des points d'avance. Oh là là. Toto, il est passé à extra poteau, mais il a dû release parce qu'il était pas sur le niveau de la trage, donc il a mis plus de temps à faire son néo. Ça lui a pas forcément profité ici, Symbiose et Coco. Oh, la vitesse, une fusée encore. Oh là là, on a 6 très gros. Mais Symbiose impérial encore, qui lead incontestablement. Alors attention ici. Coco qui agresse. C'est Symbiose ne bouge pas. Symbiose, il craint pas la pression. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Voilà, ça se renvoie la balle, mais c'est Symbiose qui arrivera à tirer son épingle du jeu ici à finir en pole position sur 1.6. Symbiose ne voit pas les adversaires, c'est pas possible. NT Symbiose. Ouais, bah là, il a un peu forcé, puis du coup, bah, il a fait un petit. Tu noteras quand même que c'est quand même le seul joueur qui améliore pas son temps. Parce que Coco, il fait un très bon run, il fait 2, lui il fait 0.6, donc 0.1 en dessous, mais ça améliore pas son temps. C'est-à-dire qu'il a déjà fait plus. C'est-à-dire que cet homme a tous les world records, quoi. Ouais, mais là, on est sur un serveur en gros local où il y a pas les. Enfin, pas un local, mais il y a pas les WR. Ouais. Et donc, du coup, il améliore le local, enfin, il améliore pas son local alors qu'il fait 0.6. Donc, je pense qu'il a déjà tapé un 0.5 ou 0.4 pendant la LAN, aucun mais problème. Mais c'est tout à fait normal pour Symbiose. Là, il discute, hein. c'est terrible ce que tu dis, c'est terrible. C'est incroyable. C'est l'homme à abattre de la lame.
Alors, qui va passer à droite? Yo-Yo ici, oh, qui avait trop de vitesse, qui est obligé de passer à droite. Du coup, c'est plus de vitesse par rapport à Coco, mais ça va être du roue dans roue à la fin de sortie. On attend sur les sapins ici. Et voilà, Coco qui touche les sapins. Un virage très dur à anticiper parce que vraiment, la trajet est assez weird. Faut prendre vraiment plus externe en arrivant. Sinon, bah, tu fais comme Coco. Genre, t'as l'impression que tu peux passer, mais au final, le sapin te dit, oh, c'est la forêt, tu touches pas. C'est le but de mettre des sapins. Ah, t'as la déforestation. Totalement, totalement. Et là, on voit la tête de Toto, mais qui a perdu beaucoup de vitesse. Et du coup, Yo-Yo va en profiter. Il va repasser devant. Problème de 3 inter. Yo-Yo a failli partir la faute. Et Symbiose, encore une fois, c'est incroyable. 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 Et du coup, du point score, Symbiose est finaliste déjà. On a fait 3 maps là pourtant, non? C'est 100 points. Oui, c'est 100 points, on a fait 3 maps, on est d'accord. D'accord. Ok, pas de soucis. Regarde le score: 66, 65, 44. Il a littéralement montré sa suprématie pendant tout le match. Yo-Yo vient de call, ça y est, il finit plus un run. Terminé. Yo-Yo qui apparemment va essayer d'aller chercher Symbiose, il ne veut pas le laisser terminer aussi facilement. Et si on va pouvoir voir ça sur la map la plus difficile de cette LAN, la map de Buzy. C'est vrai. Après, on parle quand même de Yo-Yo, l'ancien double champion de France. C'est quand même quelqu'un. Tant que dans le milieu, il est chaud. C'est vrai qu'il est très très fort. Il n'est pas là par hasard, de toute façon, comme chacun des joueurs sur cette match. Attendez, parce que j'ai une petite annonce dans le chat, je profite du moment pour le dire. Parce que Selena rappelle qu'en gros, elle fait un système de paris à l'heure actuelle par rapport au match. Et genre, en gros, celui qui remportera le plus de paris gagnera des petits goodies. Donc n'hésitez pas surtout, elle balance le lien en chaque début de match. Si vous voulez le remplir sans aucun problème, vous le faites. Et le gagnant donc aura des petits goodies sympatoches. C'est très bien, Selena, comme initiative. Ah ouais? Terrible, terrible. Ah, faut être meilleur, faut être meilleur. Mais écoute, Symbiose est incroyable. Ouais, bah il met presque 40 points en deuxième. Il est déjà finaliste sur point map. Ah oui, c'est incroyable. Par contre, derrière le match Yo-Yo, Toto... Enfin, Toto est un peu... Toto est un peu derrière, mais Coco Yo-Yo, c'est incroyable. Ah, ça se renvoie les coups. Ils sont, regarde, 66 et 65. Un match qui a déjà des allures de finale. Ah oui. Ah oui. Bah, je pense qu'on n'aura pas trop de surprises sur la finale, sur la fiche finale, donc peut-être ça risque d'être le même match. Peut-être Toto sortant loser en faisant rentrer, je sais pas, on verra. Cobra, par exemple, qui a été aussi très très fort sur la LAN avant. Cobra qui a été fort. Il a fait un match un peu en demi-teinte juste avant. D'accord. Oh, Toto l'erreur. La faute de Toto, malheureusement. La pression qui commence à faire mal, je pense que le mental ne tient plus. C'est pourtant là, c'est difficile d'aller chercher. C'est difficile de rester concentré et à fond sur autant de rounds. La moindre erreur, c'est puni par des points. Et là, on le voit, c'est des joueurs, c'est exceptionnel leur niveau. Ouh là là, Yo-Yo, la trage. Yo-Yo est parti. Il la colle. Ce triple poteau est infâme. Ça me scare bien quand même. Oh non, je troll. Oh non. Et là, c'est carte blanche pour Symbiose. Ça, c'est. Coco peut encore le faire. Autoroute. Ah, bah. Ouais, voilà. Là, on essaie de grid au maximum pour aller chercher Symbiose et malheureusement on tombe. Et Symbiose qui restera impérial ici et qui va aller chercher. C'est autoroute et c'est amplement mérité, disons-le. C'est amplement mérité sa place de finaliste. Ouais, play. Bien joué. Gigi Symbiose, le French Monster ici qui terminera donc premier de cette finale, winner bracket, qui va directement en grande finale bien sûr. Et du coup, j'imagine avec 10 points d'avance, j'imagine que c'est ça. Ça doit être ça. Dès qu'il termine premier, il gagne des points supplémentaires. Est-ce qu'il a réellement besoin de ces 10 points? Et en vrai, la grande finale, ce sera un tout autre enjeu. C'est 120 ou 150? Je pense que ce sera en 120. 120? Déjà, c'est une autre mentalité. On sera plus dur, ce sera plus 120, dur d'aller chercher, on aura le temps de voir toutes les cartes, il y aura de la rotate. On verra si vraiment Symbiose est vraiment meilleur sur toutes les cartes ou non. Il y a de l'endurance. Voilà. Oh, Toto qui fait encore une erreur ici. Attention, du coup, on arrive en arrière. Ce duel Coco-Yo-Yo est vraiment incroyable. Ils sont au même nombre de points. Ils sont à 69 tous les deux. Ouais. Là, ça va être intéressant en plus parce que vu qu'il n'y a plus Symbiose en jeu, il n'y a plus la pression d'aller chercher la place de premier pour faire la différence de points. Et donc, du coup, là, on va pouvoir assister à des runs, je pense, qui seront beaucoup plus propres. Peut-être moins rapide, mais en tout cas plus propre. Là, on le voit, ils sont roue dans roue. L'erreur parlant du loup. L'œil de son. Aïe. Pardon. Et Yo-Yo, là, c'est le tapis rouge pour Yo-Yo. Là, c'est caviar. Ah, c'est 10 points complètement gratuits. Et ça lui fait ses affaires parce qu'il est à 69. Il est quand même sur un montant. Il est sur un montant, effectivement. Je viens de le préciser. Par contre, malheureusement, 69 points, c'est terrible. C'est-à-dire qu'arriver à 9 points. Dans tes stats, c'est terrible. Oui, c'est chiant parce que tu sais qu'il y a au moins un run qui va te faire chier, qui va être un peu bidon ou vide de sens. Voilà, c'est ça.
Genre tu seras, t'es là en mode bon bah j'ai crash tant pis. Après, voilà, quoi, dans ce match qui est quand même très serré, même à 60, même à 99 points, il est intéressant de prendre la première place pour deny. Vraiment. Non mais là c'est l'enjeu, c'est clairement l'enjeu. On arrive quand même à la fin du match. C'est vrai. Et, même, et Toto qui a un peu décroché. On ne joue pas 3ème, 4ème, mais juste 1er, 2ème, puisque le 3ème, 4ème iront dans la finale de consolidation, donc on les en braquette. Donc là forcément ça va être une autre paire de manches. Le match va se terminer sûrement très très vite, faudra pas faire d'erreur. Là Toto qui est reparti là. Oh, il a dû freiner ici, il avait un peu trop de vitesse. Ouais, la tragédie Word, il a pris très large là, beaucoup de vitesse pour Toto. Yoyo aussi qui est en train de faire un comeback, Coco qui est passé un peu trop inter ici, Yoyo qui fait le comeback, qui attaque ici, attention turn de la septième. Ah là là, Toto qui touche en entrant directement. Oh, ce duel, Coco Yoyo est incroyable. Oh, oh Yoyo. Et là, là c'est caviar cette fois pour Coco. Ah, là, là. Ils se rendent les gentillesses. Là, là en fait c'est terrible parce que genre Yoyo, en gros il a était entre guillemets obligé de crash, il avait trop de speed à la sortie de trois poteaux. En fait, il a touché la rame. Genre, il y a deux roues qui sont passées sur l'extérieur de la route. Et en fait, le problème, c'est quand tu arrives à ce stade-là, surtout sur cette partie de la carte, parce que je le sais, j'ai pris des millions de fois, c'est que tu proques un no drift. Ah oui. Automatiquement. Et donc, du coup, tu es obligé de néo en sortie. Mm-hmm. Mais là, en fait, il a voulu, genre, justement, en gros, tu proques no drift seulement si tu continues à tourner. Si tu arrêtes de tourner, tu proques pas no drift. Donc, il faut remettre les roues. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il avait trop de vitesse et il a pris le mur. Ouais. C'est obligé. Là, il aurait mieux fallu d'aller tenter le néo direct, mais le problème, c'est qu'il faut le pré-shot parce qu'il est vraiment dur à caler. Et là, on se rapproche petit à petit des 100 points et on voit encore Coco Yoyo 85 points. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un match, on peut pas faire plus serré, je pense. C'est un spectacle vraiment très sympathique. C'est qui était très externe. Au niveau des trajectoires ici. Oh, Coco. Passé clean, mais trop inter, du coup, effectivement. Oh, Yoyo, oh là là, c'est greedy ça. Coco qui va se remettre bien ici avec le double inter. Yoyo qui a beaucoup trop de speed, qui va être beaucoup trop externe, mais qui devrait revenir avec peut-être. Sur le triple poteau. Voilà, il a refait la même, mais cette fois-ci, il a release. Et là, Toto qui a release aussi, du coup, Yoyo qui va probablement monter sur Toto. Mais Coco qui a du coup un espèce de petit boulevard. S'il fait pas d'erreur, c'est gagné. Enfin, c'est 10 points pour lui. Ah bah là, clairement, il a 0-2 d'avance sur ses deux concurrents. Techniquement, il n'y a pas trop de problème. À ce niveau de jeu, 0-2, c'est une éternité, quoi. Toto qui a craché Toto, ici. Toto, pas de chance, quoi. Vraiment, Toto, c'est pas ça. Oui, Yoyo qui a tout donné, je l'ai vu. J'aurais bien voulu lui dire de passer entre les deux poteaux parce qu'il avait trop de speed, en fait. Genre, vraiment. Oh, Toto. Bon, et les gars, on va poser un cul. Toto, on va poser un cul, d'accord. Tu vas prendre un run, tu vas te reposer, tu vas souffler comme ça. Oh là là. Voilà, c'est ça. Tu prends ta pause. Au pire, tu dél un run. Non, c'est clair que c'est après. Un map de l'espace après, tu vois. Là, je te comprends, t'inquiète, pas de soucis. Ça roule vite, ça roule. Pour une fois, j'ai joué, je sais ce que c'est. Holy shit. Et là, on peut voir tout de suite, on a un gros souci. C'est qu'on a Coco à 95 et Yoyo à 91. Dire que le premier, enfin celui qui celui fait 10 points. Bah, en fait, là, c'est ça, c'est premier Yoyo, deuxième Coco, double finaliste, et ça part sur un cycle. Là, on est sur de l'anthologie, sur on écrit l'histoire. Et c'est beau. Ce sera une récréation. Ce sera pas la première fois que ça arrive ce genre de situation entre Yoyo et Coco. C'est arrivé le run d'avant, en demi. Bah voilà, c'est bon, ça. C'est toujours pareil. Incroyable. Ce mode est incroyable pour les casters, pas pour les joueurs. Mais Coco, c'est souvent ça. Il y a toujours un moment où il est en double finaliste, mais contre un mec qui il est obligé d'être challenger et donc du coup d'aller un peu plus vite. Ouais. Genre, c'est un enfer. À la GC, c'est arrivé contre Bren. À la TMWC, c'est arrivé contre Deleki dans son match. Quand il s'est fait sortir, je ne sais plus. Genre voilà, il a vu le même bail. Je te coupe, ça dès le warm-up et c'est parti là. C'est vrai, parti. Bien vu. Et Yoyo est très très bien devant là. Ah bah là, là on arrive sur notre scénario event. Toto qui fait l'erreur ici, qui donc offre quelques dixièmes de plus à Coco. Quoique, Toto, attention. Toto qui vient venir jouer les troubles fêtes. Est-ce qu'il va réussir à embêter Coco? Ça arrive pas mal de speed ici. L'inter Toto, c'est... Les deux trashs sont even. Attention, tout sollicite son dernier drift. Coco qui combat Sexter. Coco qui a mieux négocié son dernier virage. Et là, on est double finaliste. Est-ce qu'on n'est pas sur le scénario qu'on avait call? C'est incroyable. Oh, il y a eu un sub, merci beaucoup. Oh putain, attends, il y a Benzigoto, il a donné 500 bits. Va prendre un café. Ça, c'est mes viewers. C'est pour toi, ça. Ça, c'est mes viewers, ça. Je vous aime. Et Anto qui resub pour son 8e mois. Merci beaucoup à toi, Anto. Et on part. Double finaliste. Aïe. Et c'est maintenant. Est-ce que Toto va faire la remontada? Ce serait trop beau. Ça serait beau jeu quand même. Ça serait beau jeu. Mais là, Coco, Yoyo, c'est... Attention, on va se mettre sur les deux hommes. Incroyable. Le 1v1, une fois de plus, j'ai envie de dire.
ils le connaissent. Tu pronostiques quoi avant qu'il y ait un... Non, là, c'est, pour moi, c'est yo-yo, genre... Je crois que... Ouh, coucou, il est en train de tout donner, là, c'est assez even. Ouais, c'est... Oh là 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 là. Les deux hommes. C'est dur à commenter, ça, hein. C'est vraiment dur. Ils sont roue dans roue, ils donnent tout. C'est le dernier round pour eux, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Oh, Coco qui a failli choke. Yo-Yo qui a un net avantage. Mais Yo-Yo, il faut pas qu'il choke. Et Coco va tout donner. Coco, là, il va vraiment Coco donner sa vie pour attraper. C'est terrible. Yo-Yo. Oh, Coco ici. Oh, peut-être Yo-Yo va devoir. Il n'a pas besoin de l'hélice. Yo-Yo qui est très bien. Coco 4. Non. Yo-Yo qui a un peu de choke. Oui. Attention, j'ai un virage. Tout va jouer maintenant. Oh, je passe. Oh là là. Il a plus de vitesse, mais non. Oh non. C'est Yo-Yo. Non, bien joué. Coco, cette fin est incroyable. Même si je l'ai transpiré 100%, c'est pas incroyable, bro. Genre, ce que t'as tenté, c'était incroyable. Oh là là, c'était incroyable. Félicitations. Franchement, très gros match. Ça promet une finale vraiment exceptionnelle. Là, on part en consolidation, du coup. Mais attends, parce que moi, faut que j'aille chercher les infos, je te laisse vite fait. Ouais, bah, merci. Abusé. Alors attention, chers téléspectateurs, chers viewers, écoutez-moi bien. C'est quoi le bail? Il va se passer un bail, je t'explique en même temps. Il va se passer un bail. Comme il faut que je déplace mon ordinateur et tout mon setup pour aller stream pour la grande finale à l'amphithéâtre qui se retrouve à l'autre bout de l'école, on va shut down le live. Ce qui va se passer, c'est que Wingo et Bagheera, ils vont cast la finale de consolidation. Donc moi, je vais host Wingo Béar qui me hostera en retour quand on reprendra l'antenne pour faire la grande finale, ok? Donc ne bougez pas, allez sur le stream de Wingo, je vais lancer le host de toute façon. Moi, je vais démonter PC en 2 spi, je vais remonter en 2 spi là-bas. Et on se retrouve pour la grande finale pour savoir qui sera vainqueur de l'ETC. Ça marche ? En fait, on passe partout. Allez, bougez pas, on se retrouve juste après. Je vous envoie chez Wingo Béar et je vous dis à tout à l'heure. Ne bougez pas. Wingo, t'enchaînes sur la consolidation ? Je te host et je reprendrai l'antenne après quand on sera en grande finale. Ça part. À toutes ! C'est bon, c'est prévu.